Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit détour du côté de la Guinée-Conakry où l'arrestation musclée du général Amara Camara se prépare. Il savait que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui au sein du gouvernement à cause du général Amara Camara. Nous avons le cas par exemple de Sadiba Koulibaly et d'autres militaires qui sont arrêtés et incarcérés sous l'ordre d'Amara Camara. Bon, on peut dire entre autres sous l'ordre du général Mamadi Doumbouya, mais trompé par Amara Camara. Doumbouya découvre peu à peu le jeu d'Amara Camara et ne soyez pas surpris que dans les prochains jours ou les heures qui suivent, Mamadi Doumbouya décide de lancer une chasse à l'homme et d'autoriser l'arrestation musclée du général Amara Camara. Comme vous le savez, bel et bien, en République de Guinée, Doumbouya est prêt à tout pour sécuriser son pouvoir. Sadiba Koulibaly, qui était le numéro 2 de la junte, finit 5 ans en prison. Alors, Amara Camara reste une personne très influente et capable d'effectuer ou bien de faire un coup d'état contre le général Doumbouya. Ce qui nous pousse à croire que Doumbouya doit, entre autres, être en train de préparer quelque chose pour se débarrasser de son ami fidèle. Car si Doumbouya ne le fait pas, c'est Amara Camara qui devrait, entre autres, le faire à sa place. Étant donné que Amara Camara a voulu être ministre de la Défense et Doumbouya a refusé. Ce qui a créé une tension entre ces deux autorités. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.